Next, c'est question 6. Question 6, il me demande le coefficient of x power 7 de sa expansion. Right, question 6a. Ça veut dire dans le terme in x power 7 avant. Term in x power 7, c'est le terme containing x power 7 in the expansion of x square moins 3 fois dx retire 5 power 8. Ok. Right là, qui dit pour venir? Ça veut dire x square retire 3 puis n'a power pour expand ici. Mais ici, tu as expand un nif terme. L'équipe de thème qui est requiert, c'est dire x power d, c'est le jeu de l'esprit, x power d pour besoin fois un tas thème. X power d pour besoin fois avec sa thème qui peut donner toi x power 5 là. Et là, x power d fois x power 5 fait x power 7, c'est ce que tu veux besoin. Et là, un constant pour besoin fois avec sa thème là, avec thème qui peut donner toi x power 7 même. Et là, un constant fois un thème qui est x power 7 pour donner toi un thème qui est x power 7. Non, on route ça déterminer un coup vite vite. Comment nous pouvons faire ça DTM là? Right là, allez. On a dx, retire 5 power 8. Vous pouvez vous inquiéter. Termine x power 5. Qui nous fait 8, c'est qui chiffre? Ici on a dx, ici on a négatif 5. Ça veut dire termine x power 5, ça veut dire 5 000 là. Right, total, vous en faites 8. Ici nous manque 3. 3 là descend ici. Qui chiffre vous venez? 8 c'est 3. 8 c'est 3. Donne-toi 56. Fois d power 5 fait à 32, x power 5, fois négatif 5 power 3 fait à négatif 125, qui divine 56 fois 32 fois négatif 125, donne-toi négatif 24 000 x power 5. Mais de ça, TM qui m'a au détail là, c'est que donne-toi x power 5 là, c'est négatif 124 000 x power 5. Next, ça c'était pas fini. Vous avez besoin de term in x power 7. Term in x power 7, si possible, nous checkons un coup. Est-ce qu'il nous pourrait dire? 8, c'est qui chiffre? Ici, on a dx. Ici, on a négatif 5. Ça veut dire que vous avez besoin de power 7. Ça veut dire ici, la différence de vine n. Ça nous pourrait dire, oui. 8, c'est n fait 8. Fois d power 7 fait 128. Si je ne me trompe pas, ouais, 128. 128 x power 7 fois négatif 5 power 1 fait négatif 5. Là, c'est tout évalué 8 fois 128 fois négatif 5. 8 fois 128 fois négatif 5. C'est un négatif 5120 x power 7. Ok, VGTM qui te peut c'est négatif 5120 x power 7. Nous réécrivons bien. Right? X power 3. Right? Là, dans cette expansion, on a besoin de TATM. Mais vous avez besoin de 10 TATM qui peut être négatif. X power 5 là. Right? 0, 0, 0. X power 5 avec sa TM là, négative 5120. X power 7 après une TATM qui m'a parlé. Right, à ce moment l'expansion m'a répondu. X power 2 pour besoin fois avec ça là. Right, et pour faire pareil, il fait un négative 224 000. X power 2 fois X power 5 fait X power 7. Right, next, négative 3 fois négative 5120. Négative 3 fois négative 5120. Négative 3 fois négative 5120. Right, qui fait un positif 15360 X power 7. Là, si nous avons une venir, négatif 224 000 plus 15 360, donne-toi négatif 208 000, négatif 208 640 x power 7. Alors, nous répondons à une question là qui nous demandait. Pour question 6a, il nous demande de coefficient of x power 7. Alors, coefficient of x power 7 qui peut venir, négatif 208 640. Right, ça c'est 6 sur partie A. Next on a la question 6 sur partie B. 6 sur partie B. Vous trouvez ça une question, mais que vous êtes concentré au travail, pas ça difficile là. Right là, il me demande term independent of x. Non, route term independent of x in qui expansion n retire x square après x plus 2 sur x power 6. Alors, ça peut être pour expand. Là, donc, tu peux expand, tu peux gagner ta chiffre. Fais bien attention là. C'est une question tricky là. Bon, vous êtes term independent of x, pas besoin d'open x là-dedans. Veut dire n pour besoin fois avec qui t'es avec constant. N pour besoin fois avec constant term. Veut dire n fois un chiffre, fais-toi un chiffre qui peut être x. Mais négatif x square. X square besoin fois avec qui t'es. Et n'est pas term là-dedans. Vous pouvez mettre constant là. Plus, je vais besoin de ça, TM qui peut donner, je suis tout d'accord pour besoin d'un TM qui a 1 over x square en bas. Quand tu as un TM qui a 1 over x square, là, x square pour couper, pour le résultat, il est constant.
Est-ce qu'il est possible, moi, pas connaître? Est-ce qu'il y a pas un constant terme là-dedans? Est-ce qu'il y a un terme que tu peux exclure en bas de l'indéterminé? On va checker. Ça veut dire x plus 2 sur x power 6. Nous allons voir constant terme là-dedans. Constant terme. C'est-à-dire que 6 c'est un chiffre. Et c'est x. Et c'est 2 sur x. Et là, ça chiffre là, monté, vin là. Et c'est 6 c'est ça chiffre là. Ok, moi, j'ai besoin de constant terme. Pour devenir constant terme, ça va être facile. Devine 3, 3, non? 3, 3 pour Vinbo, si vous trouvez. 6, c'est 3, combien il donne toi? 6, c'est 3. 6, c'est 3, donne toi 20. Fois x power 3 là-haut. Fois ici, 2 power 3 fait à 8. Over x power 3. Ça cancel, il vient 160. Ok, top. Ah, il a constant term là, il vient 160. Constant term là, il vient 160. Next, ça, c'est mon besoin. Term in 1 over x square. Allez, nous retournons 1 over x square. Il vient 6, c'est qui chiffre? X ici avec 2 sur x. Right, ici un chiffre. Ici, 6 retire ce chiffre-là. Right, moi, j'ai besoin, il faut besoin result in 1 over x square. Là, nous avons besoin de guess un des chiffres qui est comme ça. Nous sommes n, disons, n. Là, il faut x power 5 en bas x power n. Il faut x power 4. Non, ici, il faut faire limite plus faux. Nous faisons, disons, 5. Ici, 5. Ici, 5. Right là, ça veut dire ici divine 5, ici n. N, 5, en bas là, il faut juste être une 4. Il y a un nombre de besoins, x power 2, en bas moi. 4, ici 2. Right là, là-haut, il y a une x power 4, en bas, là c'est 2. Hein? Right là, ici c'est 2. Ici, il y a 4. Ok, x power 4 là-haut, x power 4. Il y a encore une constant term là. T'es là, 6 c'est 3, tu peux donner ta constant term. Attends un coup là. Ici, si je mets 6, c'est 4. Là-bas, 6, c'est 3. Tu peux faire gagner 3, 3, ça. Tu peux venir une constante. Mais ici, 6, c'est 4. 4 là, vient là, veut dire pour gagner x power 4 là. Là aussi, si tu fais 6, retiens, tu fais 4. Veut dire que tu peux gagner un terme qui est un constant terme. Comment est-ce possible ça? Attends, nous checker là. Ici, il y a 6, c'est 4. Là, il y a 4. C'est-à-dire x power 4 en bas. Non, ici, vous avez une 4. Non, on va pas rater là. Ça, vous avez une 4. Là-haut, il y a une x square. Je vais vraiment rater là. Ça veut dire 6, c'est 4. Ici, il y a une x power 4. Là, ici, pour une x power 6, retire 4, fait 2. 2 là-haut, 4 en bas. Il faut juste une x power 2. C'est 5 qui m'opère au là. Elle suit qui fait. 6, c'est 4. Elle fait pour 6, c'est 4. 6, c'est 4. Si tu fais 6, c'est 4. 6, c'est 4, donne-toi 15. Fois x power 6 retire 4 fait à 2 fois ici d power 4, d fois d 4 fois d 8 fois d 16. En bas, il y a x power 4. Là, si nous simplifions, là, il y a 15 fois 16. 15 fois 16, il y a 240. En bas, il y a x power 2. Right là, il y a un certain nombre. Il y a 240 sur x power 2. Alors, nous réécrire les propres là. Suivre. Il y a n retire x square. Ici, nous prenons un TATM, mais vous avez besoin de sa constant term là, avec sa TM qui peut donner toi x power 2 là, c'est 240 sur x square. Même TM après la mot parler. À ça, nous expandons n fois constant term, n fois 160, fait 160, retirer x square coupé, qui était négative 1 fois 240, fait un négative 240. Le last faire, 160, retire 240, 160, retire 240, fait toi négative 80. Ça veut dire sa term qui est independent of x de sa expansion 6b là, living négative 80. Next, ça c'est nous get numéro 7. Numéro 7, c'est facile. Il y a de sa expansion là. The first three term est fini de toi. Ok, premier 3 term. Veut dire que d'aquí expansion, moi na a plus bx. Là, moi get numéro 7. A plus bx. Avec ici, na n retire x power 6. Ok, allez, right. Il y a un premier 3TM. Mais nous finissons expansion ticket. Nous expansion ticket. Right là. Mais il y a un premier 3TM pour constant term. Term in x et term in x square. Quand tu parles expansion, ça, parle d'x power 3. Nous expandons jusqu'à x power 2. Allez, right. Ça veut dire que je vais faire n retire x power 6. Nous expandons jusqu'à x power 2 vite. Qui est pour venir? Si nous expandons jusqu'à x power 2, nous faisons un petit point là. Nous voyons un petit facile ici. N retire x power 6. Nous allons jusqu'à x power 2. 6 c'est 0. N négative x. 0 pour venir là, ici 6, plus 6 c'est n, n ici, négative x, n pour venir là, 5 là, plus 6 c'est 2, n vient ici, négative x, 2 vient là, 4 vient là. Je veux dire, nous allons jusqu'à x power 2 là. 6 c'est 0 fait n power 6 fait n, ici vient n, plus 6 c'est n fait 6, n power 5 fait n, ici vient négative x, right, plus 6 c'est 2 qui vient, 6 c'est 2 fait 15,
n power 4 fait 1. Ici, négative x power 2 fait à positive x square. Juste nous simplifier, devine n. Ici, devine négative 6x. Ici, devine plus 15x square. Right là, veut dire ça quand nous expandons. Il y a un tas de thèmes qui sont capables de gagner, mais moi, je vais 3 premiers thèmes. C'est un peu bizarre pour répondre à une question là. Après, il y a un tas de thèmes, il y a 7 thèmes en tout. Et je vais prendre juste 3 premiers thèmes. Assez comme pour expandre ça, c'était. Suivre ça, vous allez tricky. Allez, moi, expandre ça, c'était. Moi, vous expandez ce x square. Je dis a fois n pour le temps constant term, fait à a. A pour fois avec négatif 6x, fait à négatif 6ax. A pour fois avec 15x square, fait à plus 15ax square. Next, bx fois avec n pour faire bx. Bx fois négatif 6x fait à négatif 6bx. Et bx fois 15x power 2 fait toi 15bx power 3. Ok, right là. Ça n'est ici là, tu besoin 6bx square. Parce que bx fois négatif 6x fait à négatif 6bx square. Mais ça fait mx power 3 là, moi pas besoin ça. Moi besoin de redisca x square d'après question là. Veut dire nous combine tout même like term ce qui n'a veut dire constant term nous gagne a à cette term in x là nous gagne dtm là qui là dtm qui n'a x là négatif 6 ax et positif bx nous supposons joindre ni mais il pas des like terms parce que n'a négatif 6 ax ici positif bx ou capable c'est quoi faire ou capable factorize x là si mon factorize x là pour rester négatif 6 a ici pour rester positif b. Next, sa term in x square là, qui est un term x square ici, qui est un term x square ici. Et nous allons factoriser sa term x square là, qui pour rester ici 15a, et qui ici pour rester négatif 6b. Ah, là. Ça, c'est comme moi, je expande ça. Et bon arrive jusqu'à là. Mais il y a fini ta réponse, ça qui besoin de. D'après lui, sur réponse, là, nous pour camper, entièrement. D'après lui, sur réponse, il besoin de 3 là, retirer 20x ici, plus cx square. Ça même, sa expansion là. À cette camper, tu demandes réponse. Right là, veut dire ça c'était moi mon gagnant, ça c'était l'idée de moi. Mais tous les deux besoin pareil, veut dire A sur valeur qui peut venir, A pour besoin 3. Next, ici qui peut arriver. Coefficient of x, l'idée négative 20, ici coefficient of x, mon gagnant négative 6A plus B qui besoin égale négative 20. Right, à cette vue qui m'a fini gagnant valeur A là-haut, qui m'a fini gagnant valeur A, n'est qu'on remplace ici. Négative 6 fois A, l'idée 3 plus B égale négative 20. Négative 6 fois 3 fait à la négative 18 plus B égale négative 20. De là, B pour venir négative 20 plus 18. Qui vient négative 2. Ça veut dire B vient négative 2. Next, C pour égal, coefficient là-haut qui vient 15A retire 6B pour égal C. Nous venons gagner A avec B. A nous gagne 3. Retire 6 fois B nous gagne négative 2 égale C. Là, nous calculons, nous gagne valeur 5 ou là. Divine 15 fois 3. Retire 6 fois négative 2. Qui donne ta second 7. C'est-à-dire C vient second 7. Alors, quelle est ta réponse? A vient 3. B vient négatif 2, C vient second 7.